Oui. Tu as bien lu dans le titre. Hein. Tu sais, quand tu voyages, tu sais que normalement, tous les gens qui voyagent savent qu'à un moment donné, tu vas te faire voler. Ça va arriver. Jusqu'au moment où ça t'arrive, tu te dis, ah, mais j'aurais peut-être aimé quand même esquiver. Tu vois, tu sais que ça va arriver, mais ouais, tu te dis, ouais, bon, peut-être moi je vais faire attention, ce sera différent. Tout ça. Bon, bref. Donc les gars, ils ont volé normal. Mon ordinateur et ma caméra. Bon, après ma caméra, je te cache pas que c'est pas bien grave. Donc, moi j'étais dans cette chambre là, je dormais tranquillement. Et du coup, les gars, parce que j'avais laissé mon ordinateur dans cette salle là, dans le salon, donc ça n'avait lieu que je loue. Et en fait, l'ordinateur il était ici et la caméra elle était ici. Et les gars, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés par ici. Là, il y a une sorte de petite véranda. Ils sont passés par ici et ils ont escaladé tout ça. Voilà. Ils ont escaladé tout ça, normal. C'est un peu haut, tu vois. Je me suis dit, bon, les gars, j'y ai même pas pensé. Peut-être dans la vérité, j'ai peut-être un petit peu relâché. Parce que c'est vrai que j'ai laissé la porte de. La porte un peu ouverte ici, je me suis dit c'est haut, les gars ils vont pas grimper, tu vois. Je me suis même pas dit ça, honnêtement. J'étais en confiance, je vais pas te mentir, je commençais à être en confiance. Voilà, je me suis dit bon, on connaît, c'est un coin calme, c'est vrai que c'est un coin calme, c'est super calme. À la preuve, on entend même pas un bruit, rien. On entend rien. Attends, c'est tout. Donc peut-être, petite prise de confiance, pas forcément, parce que ah oui, j'ai oublié de te dire en fait, j'ai juste parlé justement avec un Hollandais qui est sur l'appartement qui est juste au-dessus, et lui aussi s'est fait voler. Et lui, il avait fermé. Il avait fermé la porte, ils ont quand même ouvert la porte. Et il y a une voisine là qui vient de me dire qu'apparemment, ils volent souvent dans cet appartement, enfin dans cet immeuble là. Je crois que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui s'était fait voler en bas. Donc voilà, c'est pas un truc nouveau. C'est un nouvel Airbnb où je suis, ça doit faire peut-être à peu près 2 semaines. Donc relou quand même. Bon, après pour l'ordinateur, c'est pas bien grave. Si c'est grave, l'ordinateur c'est relou, c'est plutôt la caméra, c'est ça que je voulais dire. La caméra à la limite c'est pas trop grave. Parce que cette caméra qui est depuis grave longtemps. Quand je dis c'est grave longtemps, ça veut dire c'était la caméra que j'utilisais depuis que j'ai mon business sur le saxophone. Donc c'est une caméra que je dois avoir au moins depuis 2017. Donc honnêtement, bon, c'est pas trop grave. Hein. Je me disais, il fallait que je le change. Mais je me disais, vas-y, ça marche quand même toujours. Pourquoi d'acheter l'autre alors que ça fonctionne toujours? Donc mettons, ben voilà, j'aurais plus trop le choix. Bon, l'ordinateur, c'est relou. Après, bon, il était préparé, hein, tu vois. Quand tu voyages comme ça, il faut toujours te préparer. C'est aussi pour ça que je tourne cette vidéo. C'est déjà d'une part pour se faire confiance. Prendre conscience que voyager en Amérique latine, il faut faire grave attention. Des fois, tu peux trop lâcher. Même si tu sais, voilà, tu te dis, ouais, mais moi, je suis dans les bons endroits, ça va aller. Parce que je suis pas dans un mauvais quartier. Je suis pas dans les quartiers où j'ai l'habitude d'être. Parce qu'en fait, là, cet appartement-là, quand je l'ai loué, je pensais qu'il était dans un quartier, pour être précis, je pensais qu'il était une heure à l'est. Mais en fait, il est un petit peu à côté, il s'appelle l'America. D'ailleurs, je lui ai dit direct quand je suis arrivé, c'est parce que je pensais que c'était l'heure à l'est. Donc, il y a eu une petite. Ouais. Après, c'est peut-être ma faute, parce que je crois que c'est limite. L'America, c'est vraiment limite l'heure à l'est. Et c'est vraiment la limite en fait. Enfin, je serais deux pas de la Orest. Mais je pense pas que c'est. En tout cas, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Après, je pense pas que c'est vraiment lié au quartier. Le quartier est tranquille. Donc, je pense pas que ça soit. C'est pas un quartier genre mauvais quartier, tu vois. Je peux pas dire ça. Donc, bref, en tout cas, j'ai fait beaucoup de vidéos où je vantais les mérites et je parlais que des choses positives. Donc, il faut quand même parler des choses. Il faut faire attention, donc ouais, si tu voyages, voilà, tout c'est ça que je dis, tous les gens qui voyagent ils savent que voilà, à un moment donné tu vas te faire voler, donc faut anticiper ça. Donc, moi sur mon radiateur, tout est sur le cloud, il n'y a rien, ou c'est sur Dropbox, j'ai rien qui est sous mon ordinateur, ou si je perds mon ordinateur, j'ai perdu toutes mes données. Là je vais racheter un autre ordinateur et je vais récupérer toutes mes données, j'ai changé, parce que j'utilise LastPass qui génère tous les codes pour tous les sites. J'ai changé le mot de passe. Après, le Hollandais, lui, ce qu'on lui a envoyé, je crois, c'est son téléphone. Alors que son téléphone était à côté de, lui, quoi, sur la table. Sur table de chevet, on dit, ouais, voilà, c'est ça. Table de chevet. Et les gars, ils ont volé ça normal. Alors que le gars, il dormait comme ça. T'imagines? C'est un truc
de ouf. Et lui, il avait tout fermé, tout bien, tu vois. Donc, en fait, même si j'avais fermé, ça aurait rien changé. Et moi, ce qui est fou, c'est que je pense qu'ils ont dû aller jusque dans ma chambre. Parce que s'ils ont dû aller jusque dans sa chambre, après, je sais pas lui combien de chambres il a, mais s'ils sont, ça se trouve, ils ont été juste dans ma chambre. Et ils ont dû voir. Après, moi, j'ai refait le téléphone, tu vois. Donc, je crois que c'est le X que j'ai. Ouais, je dois voir ça. Donc, peut-être que ça ne va pas intéresser. Non, même je pense, non, au-delà de ça, je pense que. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu essayer parce qu'il y avait mon porte-monnaie quand même, parce que j'avais mis mon porte-monnaie dans l'armoire, c'était quand même, visible. Et ils n'ont pas pris le porte-monnaie, ils n'ont rien pris. Donc, je pense qu'ils ont vu la bête. Voilà. Ils ont vu la bête dans le lit, ils ont dit, lui, s'il se réveille, ils n'avaient pas tort, j'ai envie de te dire. Bon, après, s'ils sont armés, c'est relou. Mais je pense que des fois, c'est des petits jeunes, tu vois. Mais bon, ils sont toujours armés, ils n'ont rien à perdre, donc c'est pas non plus la bonne solution. Mais c'est pas faux, donc je pense que dans leur réflexion, les gars, ils ont dit, les gars, lui, s'il se réveille, ah, ça a l'air d'être un morceau quand même. S'il se réveille, là, c'est pas faux, les gars. Donc peut-être c'est ça. Peut-être les séances de muscu ont payé. Peut-être c'est ça. Donc ouais, c'est bien relou. Je suis content quand même parce qu'ils n'ont pas volé mon sax, alors que le sax il était juste à côté. Hop, il était juste là. Ils n'ont pas volé mon sax. Alors je pense pas que c'est parce qu'ils voulaient être gentils. Hein. Je pense que ça devait être encombrant hein, pour pouvoir redescendre derrière. Et heureusement qu'ils n'ont pas volé mon téléphone. Quand on vole les deux, genre téléphone et ordinateur, c'est la misère. Parce que là, t'as plein de choses, tu te rends pas compte, mais par exemple, tu vas recevoir des SMS pour pouvoir accéder à un certain site. Tu vas utiliser Google Authentification avec ton téléphone pour pouvoir accéder à certains sites. Et si te manque les deux, t'es cuit. Donc voilà les gars, donc faites attention quand vous voyagez. Hein, je profite pour tourner une vidéo. Il faut bien que ça me serve au moins à quelque chose hein, qui m'est volé. Donc je tourne au moins une vidéo par rapport à ça. Parce que de toute façon, en même temps, j'ai pas de caméra. Là, j'attends que les magasins s'ouvrent pour pouvoir aller acheter un ordinateur. Donc ouais, faites vraiment attention. D'ailleurs, je lui redisais à lui de refaire attention parce que je crois que c'est la première fois qu'il est venu en Colombie. Donc je suis pas tout le temps en Colombie, les gars. Parce que des fois, les gars, je suis en Colombie. Je suis pas tout le temps en Colombie. Là, j'y suis. Je sais pas pour combien de temps, mais je suis pas tout le temps en Colombie. Je suis partout, les gars. Ouais, un peu partout. Et c'est vrai que voilà, le côté safe, Colombie, faut faire attention. Entre les meufs qui veulent te droguer, entre les gars qui veulent te voler, bon, il faut vraiment que tu sois au courant, tu vois. Après, j'ai fait plein de vidéos, je donne des conseils si vraiment tu veux venir. Mais pendant que j'y pense, ouais, le conseil que je lui ai donné, parce que c'est la première fois que lui il vient, je lui dis, quand c'est la première fois comme ça que tu viens, prends un endroit où il y a une réception, où c'est sécurisé, tu vois. Vraiment un truc, prends pas un truc à l'Airbnb un petit peu trop éloigné comme ici, tu vois. Moi, je serais pas venu si jamais je savais que c'était comme ça. Enfin, si c'était, je pensais que c'était un quartier de la Orelles. Après, ça peut arriver aussi à la Orelles, mais. Donc voilà, péripéties de la vie quand tu voyages. Oui, c'est relou, mais maintenant je suis en bonne santé, il ne m'a rien arrivé. Moi, j'ai entendu des gens qui sont fait voler et parfois les gens veulent résister et les voleurs juste ils tuent la personne direct, normal, boum. Donc pareil, si on essaie de te voler dans la rue, ça sert à rien d'essayer de te rebeller, tu donnes et t'achèteras un autre téléphone, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là-dessus, je pense que j'ai rien à ajouter. Donc, faut faire attention, mais l'essentiel c'est la santé quand même. C'est relou, mais je vais m'en remettre. Hein, je vais acheter un autre ordinateur. Pour la caméra, en même temps, j'avais besoin d'acheter une nouvelle caméra. J'y pensais déjà, mais voilà. Mais rappelle-toi, quand tu voyages, fais très attention, surtout en Amérique latine, surtout en Colombie. Tout n'est pas pareil. Paraguay, c'est un peu plus sûr quand même. Brésil, je pense qu'il faut que tu fasses attention. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? République d'Homme, clairement, faut que tu fasses attention. Bon, ça dépend où tu vas, c'est toujours pareil. Hein. Mais c'est bien d'avoir des petites piqûres de rappel comme ça pour pas être trop détendu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais être au camp.